Je sais pas si vous voyez en haut là, sur la galerie, il y a des cagettes avec des bonsaïs dedans. Parce qu'à mon avis, il n'y a pas assez de place dans la voiture. Donc là, on arrive à la gafoutée. Apparemment, Hiroyuki me dit que le monsieur il vient de Saitama. Il fait quand même moins 2 dehors et sur la route, ils n'ont pas dû avoir chaud les arbres en galerie. Donc là en fait on arrive, on est au Miyakomes. Donc le Miyakomes c'est un musée à Kyoto, c'est là où il y a la Taikanten notamment. Et donc la Gafuten se tient au même endroit que la Taikanten. On est dans les premiers arrivés, c'était 7h-20. Hiroyuki a voulu arriver tôt pour pouvoir être garé assez proche des entrées, pour pouvoir décharger. Oui, il y a déjà un peu de monde, il y a Koji qui est devant nous là, Koji Hiramatsu. Donc là, on se gare. Les voitures arrivent petit à petit. Vous pouvez voir, ils ont presque tous le même modèle de véhicule. Des Toyota Ace. Moi, je les appelle ça des Banzai Cars. C'est vrai que tout le monde a le même gabarit de véhicule. Des plus ou moins récents. Lui, Hiroyuki, il a celui-là, un Toyota. Yes. Ils ont tous les mêmes modèles, c'est marrant. Donc tous ces camions sont remplis de show-in. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis à Kyoto. Je m'excuse pour le bruit de fond, je suis dehors devant le Miyakomes pour la Gafuten. Il y a un marathon à Kyoto qui commence, donc il y a un peu de bruit. Pour faire assez court, donc on va visiter la Gafuten, exposition nationale des show-in au Japon. Meilleur niveau mondial, il faut bien le dire. Et écoutez, on va aussi voir les coulisses de l'expo, parce que je suis là depuis plusieurs jours pour aider Hiroyuki pour son stand, pour le montage, pour l'installation des arbres des clients. Donc on va voir un petit peu tout ça en détail, et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager sur la chaîne de Fabrice, laisser des commentaires, cela lui permet de l'aider dans la démarche du développement de sa chaîne. Et bien écoutez, je vous dis à tout de suite et on y va. D'installer. Je pousse les chariots avec les arbres. Vous pouvez voir que tout le monde est en train d'installer ses stands. Ça visse, ça perce, ça décharge. On voit Ikisho qui fait les allers-retours sur le stand. Hop. Il y a déjà quelques arbres. Megoro-san qui est en train de monter le stand. Technique japonaise. Vous voyez là, il a fait 1, 2, 3 avec les étages. Donc comme ça, il va pouvoir fixer tout ça avec des tiges métalliques et après, ils vont mettre les planches. Là, en bleu, c'est le stand à Koji, Hiramatsu. Petit à petit, ça prend forme. Et puis au fond, l'exposition. C'est le même principe que la Taikanten en fait. Hein. L'exposition en premier. Tout au fond, et puis le marché des pros vers nous. On commence l'installation du stand.
c'est bien rodé. Hein. C'est bien rodé de chez bien rodé. Ils savent ce qu'ils font, hein, les petits papis là. Ça, c'est après, c'est les arbres qu'on a installés. Il y a pas mal d'arbres à mettre quand même. Hein. Petit système tout bête là pour faire leurs escaliers, c'est des rectangles qui s'imbriquent les uns dans les autres, donc du coup ça prend pas de place. Puis après c'est monté avec des tiges filetées tout simplement, puis ça fait les escaliers, puis ça leur permet de monter les planches là, comme ils sont en train de faire. Après avoir monté les étagères, ils vont napper. Faut que je dis des petits secrets. Alors le monsieur en fait qui vient de parler, c'est Ekisho. Ekisho, c'est un client et ami à Hiroyuki, c'est lui qui fait les pots. Et puis le monsieur là, c'est Negoro-san. C'est aussi un passionné de Shoin, client et ami à Hiroyuki. Ils vont napper le stand. Le stand est grand, hein, il fait à peu près 9 mètres de long, quelque chose comme ça. On peut voir que ça commence à s'installer. En noir, c'est le stand de Taiga, Urushibata. Le stand de Koji avec les arbres, et Evan qui est en train d'installer. On commence à placer les arbres. Je vais vous faire une petite visite à des arbres un peu en détail quoi, du stand d'Hiroyuki. Donc en haut généralement en fait on place les arbres les plus chers et après chronologiquement quand on descend normalement on arrive aux arbres les moins chers, donc dans des budgets plus raisonnables. Bon là parfois c'est un peu mélangé. Hein. Un petit pseudo-sidonia sinensis. Un junipe de folie avec des bois noirs de dingue. Et oh, ce pin noir là au milieu qui a gagné une fois la Gafouten et une fois la Coucoufouten, je crois. Donc voilà, ça c'est notre stand qu'on a monté. Il y a quand même pas mal d'arbres qui se ressemblent, hein, et un peu des choses standardisées. Mais il y a des pièces qui sortent un peu du commun, comme ce Kaede par exemple. Donc là on est à l'entrée de la Gafouten. Donc au Miyakomes en fait, c'est le même centre que pour la Taikanten à Kyoto. Oui, ozaimasu, arigato. Donc l'entrée de l'expo avec un aménagement, ils font toujours un petit aménagement de jardin. C'est assez sympa. Donc c'est la 44e Gafouten. Donc la Gafouten c'est quoi? La Gafouten c'est une exposition nationale de Shoin, comme je l'ai dit, mais aussi des arbres un peu plus grands. Alors, je dirais on va avoir quelques arbres qui vont faire dans les 40 cm maximum. Donc bien sûr ils sont moins nombreux que les Shoin, hein, ça c'est sûr. Et souvent présentés en Santen Kazari. Santen Kazari, hein, c'est une présentation à deux arbres, plus une plante d'accompagnement, éventuellement un kakejiko. Mais on a aussi également, comme vous pouvez le voir, des arbres solitaires. Aujourd'hui, on est dimanche, donc il y a un peu moins de monde. C'est pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui. Parce que vendredi et samedi, c'était blindé. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Je passe en revue quelques présentations comme ça et puis après je vous ferai en détail des arbres qui me parlent ou qui me plaisent. Une érable de Berger, Kaede. Donc présentation de Shoin dans une armoire de type Fuji qu'on avait déjà vu ensemble lors de la Shuyaten. 5 arbres dans l'armoire principale et un arbre en extérieur. Santen Kazari, présentation à deux arbres, plante d'accompagnement et kakejiko. D'autres présentations de Shoin, alors on est dans des tailles qui sont quand même plus raisonnables. On dépasse pas les 20 cm. Donc ça fait toujours partie des nanaten. Hein.
la catégorie des expositions de Showin. On va aller voir les présentations des clients Aeroyuki. Donc on va aller voir celle de Ekisho et de Negoro. Donc celle-ci de présentation, c'est celle de Ekisho. Avec donc un très beau pain noir tout en haut. Ensuite, on a Trachelosphernum Shirimen Kazura Jasmin sur roche Ishizuki. Vous pouvez voir. Un très beau kaide dans un pot rouge. Alors, il faut savoir que les coloris rouges comme ça au Japon vont être de plus en plus rares car ils ont interdit l'utilisation du mercure. Et avec le mercure, ils utilisent pour faire les teintes de ces pots-là. Donc si vous trouvez des très beaux pots rouges de Koyo ou d'autres différents potiers, je vous invite à les acheter ou bien les conserver chez vous parce que ça va être très dur à trouver bientôt. Un Chojubai. Et l'arbre extérieur, un goyo en semi-cascade. Donc là on est sur des arbres de grande taille, hein. on dépasse les 20 cm. Donc aussi en parlant de ça, on va faire un petit aparté. J'ai pas mal de personnes des fois qui parlent donc, des Showin et de la dimension des Showin. On parle souvent de 20 cm. Au-delà de 20 cm, on dit que c'est plus Showin. Alors j'en ai discuté avec des personnes assez importantes dans l'organisation de la Gafuten, des responsables de la Japanese Bonsai Showin Association, qui sont en train justement de délibérer sur ce sujet-là. C'est assez compliqué parce qu'en fait il y a des enjeux financiers derrière. Parce que cela voudrait dire que s'ils définissent qu'au-delà de 20 cm, ce ne sont plus des Showin, beaucoup de professionnels se retrouveraient avec du stock classé hors taille Showin, ce qui voudrait dire qu'ils auraient un stock qui dévaluerait en termes de prix de vente. Donc c'est une position qui est assez délicate. On en saura plus dans quelques temps, je pense. Donc cette présentation, c'est celle de Goyo Miyajima avec donc un pain noir, un Piraconta avec un pot franchement superbe. J'adore ce pot. Il est extraordinaire, la patine est fabuleuse. Ayama Momiji. Une Sansashi Nobepine. Et un super beau Ibota. Arakawa Ibota. Famille du Ligustrum. Et en extérieur, un Shinpaku. Ça, ce sont les deux présentations de Tai Showin des copains et clients à Aeroyuki. On va également aller voir celle de Kazuto. Alors lui, Kazuto, c'est du mame. C'est du tout petit. Et il a eu un prix cette année à la Gafuten. Donc là, on est dans l'allée des tout petits, des mame. Donc voilà la présentation de Kazuto. Oui, on est vraiment sur des arbres de petite taille. Un petit Shinpaku. Un petit Zoki. C'est un petit Momiji. Un petit Kaide dans le pot jaune. Un Kaki dans le pot bleu. Un Zumi dans le, avec les fruits. Un petit citronnier là, avec les fruits jaunes. Celui-ci, c'est un orme. Un Nir. Un pain marron. Donc là, en fait, je sais pas si vous voyez, mais
Là, on est vraiment sur 10 cm, il fait le pain. Il fallait que, quand Hiroyuki l'a préparé il y a 4-5 jours en arrière, il fallait qu'il atteigne les 10 cm. On va aller voir maintenant le premier prix de la Gafuten pour les compositions de Shoin. Donc voilà la composition de Shoin qui a reçu le premier prix. Elle a été réalisée par Monsieur Sasaki pour un de ses clients, coréen je crois. La lumière est encore pas terrible, j'ai la sensation que j'ai un manque de luminosité, du coup je pense que la qualité d'image sera pas au top du top. Un magnifique chujubai. Je sais pas si on va voir les détails du pot bien patiné, un très beau pot jaune. Ensuite un kangumi et Eleagnus pungens. C'est un arbre qui va très bien au bonsaï. Ça se conduit très bien. On l'utilise notamment pour faire des haies chez nous. Très robuste, très solide. Encore un zuki. Un citronnier. Donc un super pot décoré. Et puis un shimpaku en extérieur. Donc celle-ci, c'était le premier prix. Regardez ce genévrier là. Super beau shimpaku. Des suiseki, des tablettes. Il y a beaucoup d'offres. Hein. C'est assez vaste. Pas beaucoup de grands arbres hein, par contre. On va aller voir le stand de mon sensei, Hiroyuki. En face, celui de Monsieur Omizu, qui est notre voisin de devant. Monsieur Omizu. Super beau Rigida. Yamadori, bien sûr. Vu le bois mort. Des arbres de très belle qualité. Regardez ce pin blanc. Le stand de Hiroyuki, mon sensei. Un chujubai. On va voir quelques arbres en détail. Piracanta. Un goyamatsu. Un kaede. Genévrier que j'ai bossé sur le stand directement. Un super beau shimpaku. Excusez-moi, c'est celui-là. Oh! Hello, are you Musan? Yeah, how are you? Genki? Ciao. Kyokita. Donc, monsieur Ayumu, c'est le propriétaire de la pépinière de
Yoruzuen, en fait, bon, propriétaire, fils du propriétaire, parce qu'ils sont, ils sont actuellement 5 dans la pépinière, le papa, Ayumu, un autre frère, et deux employés. Ayumu-san, how old are you? 26. You are 15 years old. Very young, very young. And, how many did Ayumu-san make the bonsai? How long have you been doing it? 13 years. Oh, from 13 years ago. The store is 120 years. Yoruzuen is established Ah, yes, yes. Yoruzuen a 120 ans d'existence. And what did he like of size? Big size, small size, or medium size? Medium. Medium, 60cm. So he like Chuhin. It's 60cm. And Chuhin, but compact. Yes, yes. Maximum 60 height. Okay, maximum 60. あんまり小さいのは嫌い。こういうのはダメ。He don't like mame. Mame. Dame. Oh, you don't like mame. Okay, I understand. And the last question is, what is the favorite species? 樹種。何個でもいいんですよ。 もう何でも、 オールマイティ。 Oh, you like old trees. Okay, okay. Ayumu-san, thank you very much. Hi. Hi. Matane. Merci beaucoup. Hello, Masumi-san. Hello. How are you? Fine. Fine? Mm-hmm. Oh. So I have some question for you. Okay. How old are you? 52. Oh, 52. Okay. Yeah. And how many years did you do bonsai work? Yes. Maybe 25 years. 25 years ago. Okay, great. And the name of your garden? Kōjuen. Kōjuen in Kyoto. In Kyoto, yes. Of course. And you are specialized in mame and shōhin? Shōhin. Mostly shōhin. Okay. And what size do you like? More big than shōhin or only shōhin? Only shōhin, of course. And maybe some species you like more? Basically, I like deciduous trees. For example, the maple, kaede, momiji, the keyaki, tsuruko. Oh, so you like zuki more. Yeah. Oh, great, great, great. Of course, the shinpaku juniper also I like, yeah. Oh, great, great, great. And thank you for answering to this question. I will make a tour for other professionals, and after we will make a video about the same question, and we can make a difference between all the professionals. Yeah, it's my pleasure. Thanks to you, Masumi-san. Thank you. Bye bye. Donc voilà, on a fait la visite du stand de Monsieur Masumi Tomohiro. Donc en fait, ça fait à peu près je crois 25 ans, il a dit qu'il faisait du bonsai. Donc son jardin, c'est Kōjuen. Donc Kōjuen, c'est à Kyoto, pas loin de l'exposition. Donc si un jour vous voulez visiter, vous pouvez lui envoyer un message. Je sais qu'il est assez présent sur Facebook. Donc il a dit qu'il aimait particulièrement les feuillus. Donc ce qu'on a appelé les ooki, ce qu'on a appelé les ooki tout à l'heure. Les ooki, ça désigne toute la famille des feuillus, et les shōaku, ça désigne toute la famille des conifères. Taiga, can I ask you some question? What? How old are you now? I'm 39 now. 39. Oh, great. And what are you more like? Shōhin size? Everything. Every size you like? Doesn't matter. Doesn't matter the size. Okay, and species maybe you prefer? Doesn't matter. All the bonsai, all the tree, like me. Yeah, because everything is have every nice part. I understand. This is some every tree has some special things, right? I understand. On the tree. Yes, of course. So
I cannot say which one is the best, which one is the most I like. Okay. I cannot tell to the people. I fully understand. Everything is fun. Yeah, is incredible. Especially that I work on Juniper is the work a lot. Ah, okay. Yeah. You spend many time working on Juniper. Right. Qui Taïga a commencé le bonsaï à l'âge de 20 ans, il a 39 ans maintenant. Je lui ai demandé s'il aimait un petit peu quelle taille d'arbre il aimait, et il m'a dit qu'il aimait toutes les tailles d'arbres, tout type d'arbre, parce que lui il pense que chaque espèce d'arbre a une particularité, a quelque chose de spécial. Koji-san. Hi, hello, how are you? Bien et vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? How are you? Yes, I'm fine, thank you. I have some questions to ask you. What is the name of your garden? My nursery's name is Hiramatsu Shunshoe. Hiramatsu Shunshoe. Okay. And how old are you? I'm now 51. 51. Oh, very young. It looks genki, young. Genki. Ah, of course. I'm still young. And how many years did you do bonsai? Okay, I started bonsai about 25 years ago. 25. I'm fourth generation of my nursery. Fourth generation. Yeah. Okay. And what size do you like more? Okay, almost all trees I take care is a big one, so okay. I like big trees. You also like big trees, but you also made Shohin. Oh, yeah. Oh, this is great. Okay. And do you have a favorite species? Oh, yes. I like black pine very you much. Like black pine, yeah. You are very good in black pine. Oh, yes. Okay, great. So, thank you so much. No, it's for your answer, for your time, And see you soon in France, I think. Oh, yes, okay. Yeah? Okay, yeah. Thank you, Koji. Thank you, bye-bye. Okay. Hello, Hiroyuki-san. Hello, Hiroyuki-san. What is the name of your garden? My name is Shokai. Shokai, okay. My name is Tanibata Hiroyuki. Tanibata Hiroyuki. And how old are you? 62. 62, 62 ans. And how many years did you make a bonsai shigoto? Also 35 years ago. Mm-hmm. And what size do you like? I like no minimum size. Shohin and Kifu, okay. I like. Ah, Shohin and Kifu is your best. Mm-hmm. And what species do you like more? I like is Momiji, Yama Momiji, and Shinpaku, Kaede. And Kaede. Kaede. Oh, okay. Momiji, Shinpaku, and Kaede. Oh, okay. Thank you, Hiroyuki-san. Mm. And see you soon in France. Bye bye. See you. Gafouten, on plie, on range les arbres qui n'ont pas été vendus, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures au Japon. Merci de nous suivre, à bientôt.